Salut les machines, c'est Marvin pour encore une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de quelque chose qui est quand même essentiel quand on essaye de passer à l'action, c'est la productivité. Alors, la productivité, hein, souvent il y en a beaucoup qui disent « Ah mais j'ai pas le temps de faire ça » ou « Il me faudrait une journée de 48 heures pour y arriver ». Certes, peut-être que ces personnes-là sont pas forcément en plus, on va dire, les plus occupés, et qu'en plus, il leur faudrait des journées de 48 heures. Tout simplement, peut-être que ces personnes devraient plutôt optimiser leur journée ou ne sont tout simplement pas assez productives pour réussir tout ce qu'elles ont envie d'entreprendre. Alors, je vais te donner aujourd'hui trois clés essentielles pour pouvoir être plus productif. Alors tout simplement, la première, elle est toute simple, et ça me paraît être la plus importante, c'est surtout qu'il faut être en bonne santé, c'est-à-dire, en gros, avoir un corps, un esprit prêt à faire les choses. Et comment on arrive à avoir ça? Mais tout simplement, bien manger, bien dormir, c'est déjà la chose essentielle. Il y a un temps pour tout, bien s'aérer l'esprit, ne pas être concentré la tête dans le guidon tout le temps, parce que c'est le meilleur moyen de s'y perdre et forcément du coup de ne plus être productif. La deuxième clé importante, c'est l'organisation. Alors l'organisation, c'est la clé. Il faut être organisé, c'est organiser son bureau, c'est planifier. Alors comment on peut planifier? On peut tout simplement faire une to-do list. En fonction des personnes, ça peut être une to-do list sur un plus ou moins long terme. Moi, par exemple, j'en fais une hebdomadaire. Ça me paraît être un bon compromis. Je sais que tel jour, j'ai ça à faire, mais que sur la semaine, j'ai tout ça à cocher, toute cette liste à cocher, et il faut qu'à la fin de la semaine, je puisse avoir terminé tout ce que j'avais mis sur la liste. Donc c'est vrai que l'organisation, ça me paraît aussi quelque chose d'essentiel pour pouvoir être très productif. La troisième chose qui est importante, c'est surtout ne pas être distrait. Vous faites quelque chose, vous êtes à fond dans la chose que vous êtes en train de faire. Il n'y a pas de téléphone portable d'allumé, il n'y a pas de réseaux sociaux d'afficher sur les écrans. C'est ce qui vous prend le plus de temps, et en plus, être sur les réseaux sociaux à regarder la vie des autres, ça ne sert à rien. Vous n'êtes en aucun cas productif quand vous faites ce genre de choses. Donc, vous êtes dans votre bulle, vous êtes concentré, personne ne vous dérange, votre téléphone est éteint, et si vous avez besoin d'Internet, bon, vous êtes sur Internet, si vous n'avez pas besoin, pas d'Internet. Voilà, point. Normalement, avec ces choses-là, vous allez pouvoir progresser beaucoup plus en termes de productivité, vous allez pouvoir être productif et faire plus de choses finalement en un temps équivalent. Et ça, pour pouvoir amener plus d'action et avancer dans la vie, la productivité est quand même quelque chose d'essentiel. Si tu veux avoir encore plus de conseils, voilà ce que je te propose. On peut continuer ensemble, j'ai encore plein d'autres conseils. Tu peux cliquer sur les liens dans la description. J'offre aussi 30 minutes de formation pour pouvoir aussi être toujours plus dans l'action et toujours plus productif. Voilà, sur ce, c'est ici qu'on se quitte. Ciao.